Central Park à New York, donc déjà que Central Park est énorme. Et qu'on ne le savait pas, on n'avait pas la bonne adresse, donc on tourne. Et maintenant, il nous fait monter, descendre. Et on a enfin vu le panneau Hollywood après une heure de recherche. Et il est là. Oh, on ne voit plus de nouveau. Il est derrière là-bas au-dessus. Il n'est pas fort voyant quand même. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, on cherchait le point d'observation, c'est ça qu'on dit, le point d'observation du Griffith Park pour avoir la photo juste en bas, quoi, mais je sais pas si on va le trouver un jour. Par contre, ils ont des belles maisons ici, hein. C'est ceux qui vivent dans les collines, en fait, qu'on avait vu dans... On est dans les collines, là. Ouais, ou le fort comme ça, moi, c'est bon. Et la maison, là. Hein? J'aime bien ce quartier. Et toi? J'aimerais bien avoir la maison, là, tout au-dessus. Ah non, pas tout au-dessus de la colline. Oh non. Non, une comme ça, ici.
arrêter, c'est bon. Voilà. Et franchement, notre photo, elle est trop belle. Je dis franchement, notre photo, elle est trop belle. Je regrette pas de finalement pas avoir trouvé le point de vue. Voilà, c'est ça aussi les aléas du direct. Bon, go maintenant le cimetière des Star Forest Lawn ou un truc comme ça, qui est juste à côté d'ici. Voilà, à toutes. On se trouve au cimetière Forest Lawn, là où il y a beaucoup de stars qui sont enterrées. Le problème, c'est que le cimetière est gigantesque, vraiment gigantesque. On est en voiture dedans carrément. Je pense pas qu'on va trouver les stars, mais je vais juste vous montrer un peu comme ça. Donc je vais filmer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une minime partie hein, du cimetière. Et franchement, l'endroit est vraiment super beau. Et ça, c'est une fresque. Ça s'appelle le point de la liberté. Et je vais vous filmer de plus près. Et là, il y a c'est George Washington, point. Juste là-bas. Alors. Il fait super beau. Voilà. Alors, God give us liberty. Apparemment, ici, ce serait l'emplacement de tous les gens qui se sont battus pour la liberté des États-Unis. Ça, c'est le mémorial pour le président George Washington. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, avec ta main. Chut. Parlez doucement ici. Parce que le monsieur, il fait dodo pour toujours ici. Apparemment, il y en a plusieurs. Il y a Green, la Lincoln. Maman, il est où, Washington? Tout au-dessus, Moulou. Et là? Ouais, tout au-dessus. Donc Lincoln, Lafayette de l'autre côté. Ouais, tout au-dessus, tout en haut. Mais oui, là? Ouais. Et là, c'est lequel? Knox. Ah ben derrière on a juste le pour la guerre d'indépendance. Attention, on ne marche pas sur des... cimetière Forest Lawn parce que c'était beaucoup trop grand et que tous les emplacements de stars sont pratiquement tous privatifs. Voilà, et en fait la dame de l'accueil m'a dit que si vous voulez voir des stars en particulier, vous devez venir avec une liste et eux cherchent dans leur ordinateur l'emplacement et aussi voir si c'est autorisé. Donc voilà, alors là on est au cimetière, c'est quoi le nom ? Hollywood Forever, où il y a entre autres Joe Dassin et Charlie Chaplin. Donc voilà, et on va aller voir ça. Enfin, il y a tout un tas de... Il y en a quand même beaucoup de stars ici, mais bon, il faut connaître quoi. Papa, je vais quitter papa. Tu peux rentrer ?
Non, puisque on a, c'est une toute petite balade, Moulou. Tu peux le garder avec ta main. Alors ici, c'est Charlie Chaplin qui repose. Voilà. Bon. Attention, regardez, il y a des vers partout. Des bouts de vers. Si tu, tu vas te faire mal. Bon, je disais, on avait posé la voiture à l'hôtel. Ouais. Et on se dirige vers Hollywood Boulevard, on va aller manger, voir les étoiles. Donc, voilà. Alonso, attention Alonso. Attends. Oh non, ma GoPro est plate. On s'est arrêté manger au Hard Rock. J'ai trop faim. Alors là, je me trouve au Garden Park de Beverly Hills, où il y a le fameux insigne Beverly Hills. Voilà. L'endroit est super beau. C'est le plus beau quartier de Los Angeles, selon moi. Voilà, on a mangé au Hard Rock sur Hollywood Boulevard. J'ai pas pu filmer Hollywood Boulevard parce que ma GoPro était plate. Mais on y retourne demain matin avant le départ, comme ça il n'y a personne et on peut profiter de faire de belles photos. Et là, on va se diriger vers, le cimetière de Star, je ne sais plus où, où il y a Marilyn Monroe. On se trouve dans le cimetière Pierce quelque chose, je ne sais plus le nom, où il y a Marilyn Monroe, Hugues M. Hefner, Dean Martin. C'est vraiment tout petit. Et c'est un cimetière qui se trouve entre les buildings, voilà. Voilà la taille du cimetière, vraiment tout petit. Et en fait, de l'autre côté, vous avez les buildings. Voilà. Franchement, je suis étonnée que des stars énormes soient dans un si petit cimetière, comparé au cimetière qu'on a vu ce matin. Et voilà. La tombe de Dean Martin. Ça c'est pour mon papa qui est fan. On a trouvé Dean Martin. T'as vu, il est mort le jour de Noël. Ah ouais ? Ouais. En 1995, ouais. C'est jamais. Si on l'a trouvé. On l'a trouvé. C'est pour pas que les gens marchent dessus à mon avis. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes des stars. Monica.
Venez ici, venez ici. Madame photo Instagram ici. Allez la voir nombreux. C'est un chouette quartier, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas où on est. C'est un quartier un peu comme où il y a des artistes et des trucs comme ça. De l'hôtel où on se trouve actuellement à Los Angeles, et là on est prêt à partir parce qu'on va prendre la route 66 direction Las Vegas. Voilà, alors voilà, la chambre se dispose comme ça, deux grands lits, un frigo là-bas, télé, il n'y a pas d'armoire et la petite salle de bain. C'est le motel 6 sur Hollywood Boulevard, donc le à côté d'Hollywood Boulevard, ça c'est très bien, mais voilà, c'est pas beaucoup de bruit la nuit, donc voilà, c'est pas le top des tops, mais bon, pas cher. Bon, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À très vite.